se perdre ici. C'est le fameux cimetière des trains. Une véritable mine de pièces de ferraille. On devrait pouvoir rejoindre le secteur 7 en traversant le grand hangar. Là-bas. Mieux vaut passer par les endroits où il y a de la lumière. De la lumière. Voyons. Là-bas. La plupart des gens évitent cet endroit. Il y a non seulement des créatures dangereuses, mais aussi des rumeurs étranges. De quel genre? Il paraît qu'il y aurait des fantômes par ici. Et les gens qui s'égarent dans le cimetière des trains la nuit ne peuvent plus jamais en sortir. Oh. Oh. Des fantômes? Non, mais je pense que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Mais bon... Traînons pas ici. Je m'en occupe vite fait. Une bonne chose de faite. Pour les enfants. Mais alors... Pas le droit à l'erreur. C'est fini pour toi.
Il faut qu'on traverse ce hangar. Ce serait pas hanté. Allons voir. Ne t'inquiète pas. Nous avons un super garde du corps. Ça va aller. Les fantômes, c'est pas mon truc. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. On compte sur toi. D'accord, ça va. Arrêtez de me coller. Je vais m'en occuper.
J'ai pas le choix. Regarde bien. Tu te rends compte qu'il est dangereux? Oui, mais quand même. C'est quoi ce bruit? Ça va? C'était moins une. On a eu chaud. On va être obligé de faire un petit détour. C'est de la persécution! Le train s'arrêtera à la gare du Bougainville du secteur 7 avant d'arriver au terminus. Le cimetière de train La grue est en haut. Ça marche pas. C'est pas alimenté. C'est peut-être encore une de leurs farces. On doit pouvoir remettre le courant quelque part, non? Je t'ai trouvé. Ah oh, ça va.
aussi? Ouais. On dirait. Trouvé! Faisons autrement. Back! Allons-y. Il y a une autre porte qui mène à cette salle, de l'autre côté. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse tout le tour.
Tifa! Hey!
tant d'espoir. Ça va. Changement de stratégie. Les autres n'ont pas dû le retrouver. Le pauvre, il devait se sentir seul. Hein ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Retournons activer cette grue. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est vrai, fini de rigoler. Maintenant, pourquoi on dit que les gens qui s'égarent dans le cimetière des trains la nuit ne peuvent plus jamais en sortir? Je me demande ce qui se serait passé s'ils nous avaient attrapés. Peut-être que ce sont eux, en fait, qui se sont fait attraper. On peut parler d'autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne peuvent plus repartir.
Bien joué. J'espère qu'on va pouvoir passer. Allons voir ça. Qui sont emportés par le vent noir, et ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est très très dangereux là-bas, alors il faut surtout pas s'approcher. J'essaierai. Et tu sais, hier matin, on a joué avec Betty. Ben son papa, il... C'est vrai, ça. Peut-être qu'il ne pourra pas rentrer ce soir. Marlène, écoute-moi. Faut se dépêcher de rentrer au septième ciel. Tifa, ça va? Bon ben, allons-y. Tourne. Ça devrait nous permettre de traverser. Est-ce que j'ai le droit de fuir, là? Tiens, c'est fini pour toi. Hein? Tout ce qu'elle dit, j'arrive.
Croyez qu'on allait enfin sortir. Dites, on pourrait pas faire bouger cette locomotive? Je vais regarder ça. Bien vu, Aerys. Elle a l'air en bon état. Maintenant, le plan tombe à l'eau. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez un problème? Non, au contraire. Les rats sont prêts à se sacrifier pour protéger le pilier. N'oubliez pas votre rapport de fin de mission. Du bluff. T'inquiète pas pour eux. Barrett et les autres savent se défendre. On arrive au secteur 7. Allez. T'as raison. Croisons les doigts.
de la persécution. Par là. Allons-y. Ouais. Emportés par le vent noir, et ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est toi ? Tu m'as protégé, non ? Contrôle ses enfants.
Ça y est, vous êtes cachés. C'est bon, je peux y aller. Ouais, ça y est, tu peux venir. Ouais, c'est bon. Je t'ai trouvé. T'as fait vite. Je t'ai trouvé. Oh non, t'es trop fort, toi. Hé, elle est où, Iris? Tu peux venir. Je suis prête. Tu peux venir. Viens me chercher. Bon, tant pis. Maman. Iris. C'est éclaté.
c'est pas fini. C'est beau. Au revoir. Les canards!
Attention! Il y en a là! Votre dernier rang a sonné! Eh merde! Salope Shinra! Il faut que j'y retourne. Nos amis sont encore là-haut. Arrête ça. Veillez sur Wedge. Moi, je vais en haut. Oui. Moi aussi, j'y vais. Pas question que je reste là sans rien faire. C'est Biggs. C'est lui qui m'a couvert. Wedge, laissons Cloud gérer tout ça. Ça va aller, je le soigne. Biggs! Jesse! Barret! Wedge, écoute-moi. Tu vas obéir à Tifa. Ah.
bâtard n'arrive ici. Sérieusement, j'en peux plus de leurs conneries. Ça va durer encore longtemps. Comme si on n'avait pas assez de problèmes ici. Mortel, mais ils sont complètement tarés. Ici le deuxième étage. Un membre d'Avalanche. Présence d'un terroriste confirmé. Envoyez des renforts.
Biggs! Bon sang. J'ai pas assuré. Dis, est-ce que Wedge... Il va s'en tirer. T'en fais pas. Ça me fait plaisir. Il avait de quoi amortir. Garde tes forces. Oh, c'est un sacré bordel. Fais-moi une promesse, Cloud. Je t'en prie, finis ce qu'on a commencé. Je te le jure. Merci, vieux. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je compte sur toi. Au fait, il y a un orphelinat. La maison Feuillu. Il se trouve dans le secteur 5. S'il te plaît, tu pourrais y passer de temps en temps. Pas question. Tu iras toi-même. C'est pas ton truc, les enfants. Non. Pourtant, tu sais, t'es vraiment comme... Bonne chance, Cloud. Pour la planète. Je compte sur toi.
pouvez toujours nous menacer de défaire ce pilier. Les Turcs, je voulais dire, la Shinra, ne se laissera pas empêcher. Vous avez intérêt à vous casser d'ici rapido. Voilà. C'était bien comme ça? Ouais, c'était pas mal. Tiens, il me dit quelque chose. C'est loin. Tu vas mieux? T'as vu, même pas mal. Pardon. Moi aussi, il va falloir que je monte. Fais ce que tu dois faire. Loin d'ici, il y a un bar qui s'appelle Septième Ciel. C'est là que... Marlène m'y attend. C'est ça? Je m'en occupe. Elle sera en sécurité. Hein? Emmène-la jusqu'au bar, s'il te plaît. Ok, tu peux compter sur moi. Tu vas leur montrer de quel bois tu te chauffes. Le Septième Ciel, c'est là que je t'emmène. Wedge, attends! Il faut que vous partiez d'ici! Éloignez-vous vite! On n'a pas le choix. Il faut qu'on passe si on veut atteindre Wall Market! Le passage est interdit aux civils, circulez! Laissez-les passer! Sinon, il y aura des morts! Reculez! Je fais comme hier aux ordres! Wedge! Je sers à rien. Je peux rien faire. Rien faire pour personne. Abandonne pas maintenant, Wedge. Courage, tout n'est pas perdu. Si on y croit, on peut sauver des vies. Dis à Iris, toi aussi tu crois que le plateau va tomber? Il faut se dire qu'Avalanche finira par gagner. Quand même. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ça va mal se passer. Je le sens. Oui. Moi aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer au pire. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. De savoir qu'on a tout fait. Alors, battons-nous. Ici et maintenant. Oh. Je sais pas ce qui va se passer. Mais si on fait rien, je sais qu'on va le regretter. Nos vies sont entre vos mains. Vous comprenez ça ?
pas question. Je refuse d'obéir à vos ordres. Par ici. Par ici. Sortez vite. Non, mais... Attends. Wedge, hein? Le bar de Tifa est par là. C'est bien ça? Continue tout droit, puis prends à droite. Je m'occupe de Marlène. Et moi, je m'occupe de l'évacuation. Hey, s'il vous plaît, par ici. Dépêchez-vous de fuir. Il ne faut surtout pas rester sous le plateau du secteur 7. Allez dans les secteurs 5 ou 6. Partez vite du secteur 7. Le plus loin possible. Attendez. Vous savez ce qui se passe? Le pilier tient le coup, non? Oui, pour l'instant. Mais bon... Le plateau va nous tomber dessus? Oui. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui leur prend de faire un truc pareil? C'est pas le moment de se poser des questions. Allez, dépêchez-vous d'évacuer les gens. Ouais, mais il va d'abord falloir qu'on leur ouvre la voie. Ah, c'est pas faux, ça. Allez, au boulot! Vous êtes d'Avalanche, vous aussi? Oh, je suis leur ami. Alors, quand tu croiseras Tifa, dis-lui de venir me voir. Il faut vite que j'aille au septième ciel. C'est là-bas. Regardez ça! Ouais, on a perdu un autre hélico. Un mal pour un bien.
Et de votre côté. J'ai un truc urgent. Je compte sur vous pour la suite. Quelle escapade, Aerys. Et les autres. Papa aussi ? Barrett, c'est bien ça ? Lui aussi. Alors, il va rentrer tard ? Oui, très tard. Alors je suis venue pour être avec toi. C'est Tifa qui me l'a demandé. Oh. Par contre, ici, c'est un peu dangereux. On va aller ailleurs, d'accord ? Tu sens bon. Tu trouves ? Tu sais, je connais bien cette odeur. Il ne faut pas l'oublier. Jolies fleurs. Je pourrais en mettre moi aussi. Bien sûr. Quel genre de fleurs tu aimes? Voyons. La partie de cache-cache est finie, Aerys. Plus beaucoup d'options. Tout va bien se passer, d'accord ? On peut quand même négocier, non ?
Je dois bouger. Sors de là, qu'on en finisse pour de bon cette fois. Mais c'est... Hein? Oh. Tiens, tiens, on en a deux pour le prix d'un.
est-ce que vous croyez aller ? Tu vas pleurer.
dernier homme à me parler. Cloud Strife. Oh, ça aurait pu être pire. T'as encore une longue vie devant toi. C'est la fin. Avec ma première bombe, j'ai tué plein de gens innocents. On appelle ça le karma. Et toi, t'es encore venu à mon secours? Je le ferai autant qu'il le faut. Oh, quel charmeur. Mais, pour tout vous dire, je voulais faire une grande fête. Qu'on se réunisse chez moi. Ma mère aurait cuisiné. J'espérais qu'on puisse organiser ça. Tu me dois une pizza. C'est vrai. Ouais. Mais là, ça va être dur. Regarde. T'y fais fleur. Et tu fais rien. Laissez-moi seule. Vous perdez du temps. Je suis pas habituée à ce genre de regard. Tifa. Raté.
sérieusement, je crois que vous avez pas encore compris à qui vous avez affaire, les gars. Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton lancement. Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton lancement. Voilà, il n'y a plus qu'à. T'es vraiment collant! Code de séparation d'urgence confirmé. Appuyez sur le bouton de lancement. Vas-y, essaie. Oh, mais dites donc. Là, on va s'amuser.
Faites attention. Ça va être un presque d'enfant pour moi. Ah ouais? Et le mien, c'est de te mettre une dérouillée. J'espère que ça te plaît. Allez! Fais tes cagés! J'arrive! Concentre-toi! Je peux le faire! Ça va te calmer! Processus de séparation d'urgence enclenché.
Processus de séparation d'urgence enclenché. Démarrage de la phase finale. Séparation de la section 1 engagée. Veuillez évacuer immédiatement. Processus de séparation d'urgence enclenché. Enfoiré! Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel? Cloud! Tifa! Oh!
Troisième, cette direction. Hey, on y va. Mais répondez. Oh, oui. Barrett, Marlène est vivante. Hein? Iris nous l'a dit. Iris? C'est bien la fille qu'ils avaient capturée. Oui. C'est bien elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis partie me battre, je lui ai demandé de sauver Marlène. Tu vas !